Cordier ? Oui, c'est moi. Je vous appelle suite au mail que vous nous avez envoyé concernant le poste à pourvoir de notre société. Après avoir étudié les CV, le vôtre nous intéresse beaucoup. Serait-il possible de se rencontrer dans la semaine ? Oui, tout à fait. Vendredi vers 15h, est-ce que ça vous irait ? Aucun problème pour moi. À vendredi alors. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. La semaine dernière, tu te souviens, j'avais envoyé des mails et mon CV à plusieurs entreprises d'architecture. Bah là, je viens de recevoir des réponses. Super! Et alors, ça donne quoi? Ben, j'ai rendez-vous vendredi et leur CV m'intéresse beaucoup. Ah, mais c'est bien ça! Ouais, je te dirai quoi? Tu me tiens au courant alors? Ouais, bisous. Bisous! Alexandre? Léa? Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah ouais, depuis le temps. Ça fait 10 ans. Ouais, 10 ans de... Bah depuis le collège. Ouais. Ça ne me rajeunit pas. Non. T'es venu pour l'entretien? Oui, toi aussi? Bah ouais, mais je savais pas que tu voulais être architecte. Je croyais que tu voulais être pompier là à la base. Allô, oui, Valérie. Est-ce que tu peux m'appeler Mademoiselle Cordier, s'il te plaît? Je te remercie. Bah, tu sais, beaucoup de choses ont changé. Ouais. Mademoiselle Cordier, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. À plus. Bon courage. Merci. Donc, Mademoiselle Cordier, quel est votre parcours? Alors, j'ai obtenu mon bac S avec mention, suite à quoi je viens d'obtenir mon master architecture dans une des meilleures ENSA, École Nationale Supérieure d'Architecture, et je me suis permise de ramener mon CV. Intéressant. Et donc, quelles sont vos motivations? Bien, depuis toute petite, j'aime imaginer et construire de nouvelles choses, repousser les limites de l'imaginable, et j'aimerais, pourquoi pas, que ces idées contribuent à votre société. D'accord. Et pourquoi vous choisirez vous plutôt qu'un autre? Parce que je fais ça par passion et que j'aime relever de nouveaux défis. D'accord. Pour ce qui est du contrat, vous êtes d'accord que ce serait un contrat en 35 heures par semaine? Mmh. Et payer 2400 euros par mois. Ok, pas de soucis pour moi de ce côté-là. D'accord. Ouais. Bien, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Après j'ai fait plusieurs stages pour savoir où est-ce que je voulais m'orienter. Et au fur et à mesure j'ai décidé de devenir architecte. Et du coup pour ça j'ai fait un master en devenir architecte. Bah il y a plein de chemins pour devenir architecte. Et toi t'as fait comment? Moi j'ai juste fait mon bac S et après j'ai décidé de faire un master en ENSA. ENSA c'est une école nationale, c'est ça? C'est ça. Okay. Et dis-moi, je peux qu'il t'a parlé directeur, tu l'as pas trouvé un peu? Bah non, c'était même tout le contraire. Bah, au début j'en avais un peu peur, mais sérieux? C'est à peine s'il parlait, il était glacial. Bah moi il lui a même fait des blagues et tout, c'est bien entendu. Mais c'était bien monsieur Dupont, c'est ça. Et c'était pour un poste, 35 heures semaine. Oui. Et 3100 par mois. 3100? Ouais. Absolument pas, il m'a dit 2400. C'est bizarre. Il peut y avoir des problèmes. Je pense. J'espère en tout cas. Je lui demanderai au prochain rendez-vous. Oui, au pire, je lui demanderai. J'ai étudié toutes les candidatures et la vôtre semble convenir à notre société. D'accord, mais j'avais une question. Mmh. Mon ami qui a proposé sa candidature pour cette société aussi, on lui a proposé un contrat à 35 heures par semaine et il serait payé 3100 euros net par mois. D'accord. Tandis que vous m'aviez dit que je serais payé 2400 pour autant de travail. Et alors? Sauf votre respect, je trouve pas ça normal. Bah si, vu que lui c'est un homme et vous êtes une femme. Et donc? Eh ben, c'est pas l'homme qui va tomber enceinte, s'occuper de la famille et de la maison, aller chercher les enfants à l'école et prendre une journée de congé s'ils sont malades.